Sur quoi se baser alors, puisque tout s'est écroulé? Mais sur la parole de Jésus, et ça va nous donner une clé d'anthropologie. Parce qu'il parle du temple, de le détruire, de le relever, et il parle de son corps. Ah bon? Donc, il y a une analogie entre le temple et le corps du Christ. Il faut établir cette analogie, l'utiliser et la pousser jusqu'à ses fruits. Parce que là, nous avons cette analogie, c'est une graine. Je n'ai pas apporté là, c'est dommage. L'autre jour, j'avais une graine, j'avais un petit gland. Et c'est mieux de l'avoir en main quand même. Il y avait des chaînes là-bas. Bon, un petit gland. Et je montre le gland aux gens. Alors, je dis, vous voyez un gland, ça va donner un chêne, on est d'accord. Mais est-ce que le chêne est un gros gland? Alors tout le monde rigole, bien sûr. Non. Oui, mais est-ce que ce qu'on tire de l'écriture sainte, c'est de la grosse écriture sainte? Non. C'est, on ne peut pas imaginer, en regardant le gland, ce que va devenir le chêne. C'est impossible. Tout le code génétique y est, mais tous les aléas qui vont venir aussi n'y sont pas. Et la forme est impliquée, mais quand vous regardez le gland, vous ne pouvez pas voir la forme d'un arbre. Quand vous regardez l'évangile, vous ne pouvez pas voir ce que ça va donner. Si vous continuez de voir ce que ça a donné, c'est que vous contemplez un gros gland artificiel. Autrement dit, dans ce que le christianisme apporte chez Jésus, parce que c'est lui le fondateur quand même, et ce que ça va donner, on ne peut pas reconnaître. Sauf quand on connaît le code génétique. Et, parce que, je prends cette image, c'est une parabole, parce que le chêne va redonner des petits glands. Mais il ne donne pas des petits chênes. Et ça, c'est une affaire axiomatique au niveau de la pensée, qui devrait être utilisée en permanence au niveau herméneutique. L'herméneutique, c'est la science de l'interprétation. Bon, c'est des mots savants pour rien dire, souvent. Eh bien, je vous fais de l'herméneutique, là. Vous prenez un gland, vous ne pouvez pas... Alors, le gland, vous connaissez. Alors, d'habitude, j'apporte des graines que personne ne connaît. Ou reconnaît, parce qu'on ne les regarde pas. Hein. C'est quoi, ça? Ah, ben, je sais pas. C'est une graine. Ben oui, c'est une graine, mais de quoi? On ne peut pas voir ce que ça va donner. Donc, regardons le gland, à savoir le temple et le corps de Jésus. Sauf son respect, bien sûr. Pour voir ce que ça peut donner. Une anthropologie. Puisque, comme j'ai dit, même le Concile Vatican II, avec ses inspirations, parce que ce n'est pas tout que du bavardage, il y a aussi Dei Verbum, dans lequel qui reprend largement le Concile de Trente, entre nous, et qui dit que le Christ révèle l'homme à l'homme. Ah bon? Qu'est-ce que le Christ révèle de l'homme? Et puis Pilate, qui n'est pas, peut-être pas bien malin, mais procurateur quand même de Judée-Samarie et autres, donc homme d'autorité, il a une parole prophétique, parce que la parole prophétique peut tomber sur n'importe qui, même sur ce salaud de Caïphe, hein, mais il était grand prêtre ce jour-là, et cette année-là, et donc, dit saint Jean, ce qu'il disait, c'était pas lui, c'était la prophétie. Donc on peut avoir des prophéties, même chez Madame Charbonnel, hein, chez nos pires ennemis. Mais il faut savoir entendre et savoir comprendre. Qu'est-ce qu'il dit, le Pilate? Ecce homo. Ben, c'était sa langue, c'est en latin, ça au moins. Hein. Voici l'homme. Donc, si nous voulons comprendre ce qu'est l'homme, et si toutefois tout ce qui est raconté dans la Révélation n'est pas stupide, il faudrait pouvoir en tirer quelque chose. Or, quand on fait de l'anthropologie à l'université et tout, jamais on s'appuie sur Jésus, la révélation ou quoi que ce soit. Jamais. Donc, si jamais Jésus a raison, tous les autres ont tort. C'est tout. Parce qu'ils ne se basent pas sur le fondement. Ils vont se baser sur l'expérimentation. Et ça, c'est les lumières. Il n'y a que ce que j'observe. Mais s'il nous fallait une révélation pour comprendre ce qu'est l'homme, si jamais l'homme, comme toute l'Écriture le dit, c'est une grande révélation, on ne peut pas concevoir un homme
sans alliance avec Dieu. Donc ça fait partie de l'essence humaine d'être en alliance avec la divinité. Donc toute anthropologie athée est fausse. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait que des bêtises dans leur bouquin. Quand ils donnent la statistique des poids, des âges et tout, ben si elles sont bien faites, c'est des statistiques. Mais ça explique ce qu'est l'homme. Et on peut toujours placer l'homme dans une généalogie génétique, comme on a vu un peu dans l'évolution. Tout. Ça nous dit ce que c'est que l'homme ? Non. Ça nous dit ce qu'est la généalogie génétique, c'est tout. Parce que l'homme se réduit à sa génétique. L'homme, c'est un être biologique. Mais si c'était vrai, on ne serait pas là. Et l'homme n'est uniquement un peu intelligent. Alors on va vous démontrer qu'il y a un tas d'animaux intelligents. Alors qu'est-ce qui est spécifique de l'homme ? Nous l'apprenons dans la Bible. Ce qui est spécifique de l'homme, c'est son alliance avec Dieu. Dieu ne se soucie pas des chiens et des bœufs. C'est écrit dans l'Écriture. Alors les écolos vont m'en vouloir. Enfin bon, c'est écrit. Mais il se soucie de l'homme. Et les bœufs, en second, parce que c'est utile à l'homme. On peut les apprivoiser, comme on a entendu. Tout est fait en fonction de l'homme. Vous lisez la Genèse, de la Genèse à l'Apocalypse, la seule finalité de toute la création, c'est l'homme. Et la finalité de l'homme, alors, c'est Dieu. Mais les pierres ne tendent pas à la divinisation, tandis que l'homme tend à la déification. C'est toute la théologie de la déification de l'homme dont on a les prémices dans Saint Pierre. Nous sommes rendus participants de la nature divine. Eh bien, rendus participants de la nature divine, c'est quoi ? C'est la nature humaine qui est rendue participant de la nature divine. Et où peut-on le comprendre ? Dans celui qui est l'incarnation du Verbe et qui a une vraie humanité et une vraie divinité. C'est ce qui est le plus difficile à comprendre, évidemment. Mais je reviens à la séquence évangélique. Parce que c'est le point d'appui technique, en quelque sorte, pour mûrir des réflexions qui soient justifiées. Jésus compare son corps, on ne sait pas trop de quoi il s'agit, mais peut-être son corps matériel, puisqu'il va ressusciter, que c'est après la résurrection que les disciples comprennent que ce qu'il avait dit, c'était quand même intelligent. Et puis ça les fait croire les Écritures et sa parole. Ce qu'on ne comprend pas encore, attention, Là, je décris pour l'instant, je n'explique pas, mais je vais essayer d'expliquer. Ce qui est stupéfiant, étonnant, énigmatique, qui requiert toute notre intelligence et l'inspiration, puisqu'il n'y a pas d'homme sans alliance avec Dieu, donc on doit requérir l'inspiration. Sinon, je ne peux pas réfléchir intelligemment, vraiment. Je peux calculer, mais si jamais ce n'est pas de l'ordre du calcul. La comparaison est faite, l'analogie est faite entre le temple, et là ils savent ce que c'est, nous pas trop, et le corps du Christ. Donc, de par l'autorité du Christ lui-même, je propose de regarder ce qu'est le temple. Regardons le temple, non pas comme un touriste, « Ah, qu'est-ce que c'est beau !» etc. Même pas comme un exégète, mais comme quelqu'un qui veut comprendre. Et qu'est-ce qu'on peut comprendre devant un bâtiment ? Son architecture. Le reste, c'est à admirer, mais ce qu'il y a à comprendre, c'est l'architecture. Et on me dit, d'abord, ça s'appelle « Beth Elohim », entre autres. Ekal, bon, si, mais c'est des mots spécifiques. On dit c'est la maison de Dieu. Ah bon ? Donc, maison de la divinité. Je ne dis pas Dieu parce que il y a trop de mécompréhension avec ce mot-là.
Parce que pour nous, on croit qu'il y a un seul Dieu, c'est le Dieu qu'on adore et tout. Non, il y a d'abord de la divinité. Et après, il faut spécifier qui. Et quel rapport on a avec. Bon, enfin bon. Maison de la divinité, Beit Elohim. Bon, maison. Pourquoi on appelle ça une maison? Parce que c'est une maison. Qu'est-ce que c'est qu'une maison? C'est quelque chose qui est comme ça. Alors, je dessine exprès pour que ça marche. Hein. Le plan, alors il y aura un toit aussi, mais fondamentalement, c'est un enclos avec une porte par laquelle on peut entrer et sortir. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de maison. C'est... Bon. Mais le temple, c'est pas simplement une maison comme ça. Elle a une spécificité extraordinaire, c'est que cette maison se représente en elle-même. Alors, il faut avoir une idée de ce que c'est qu'une représentation, même en physique. Bon. Alors, je fais une maison dans la maison. Vous voyez? Je représente la maison en elle-même. Et c'est bien... Alors, maison, en plus, c'est, y a un jeu, c'est bête, hein? Bête, et il se trouve que la lettre bête, ça veut dire dent. Est-ce que c'est la maison, ça concerne l'intériorité. Oui, mais si on parle d'intériorité, c'est qu'il y a de l'extériorité alors. Donc je vais avoir dents et je vais avoir immédiatement or. Ça, si je me contente de ça, je suis chez Aristote. On peut, je rentre dans la maison, je sors de la maison et tout. Pratiquement, là, comme ça. Alors les enfants, vous rentrez, hein. Bon. On ne va pas plus loin. Dans la vie quotidienne, ça suffit, il y a dents, il y a or. Mais là, il y a plus, justement. Pourquoi? Parce que dents et or, ça ne dit pas l'essence de la maison. Quelle est l'essence de la maison? La maison n'existerait pas si il n'y avait pas un maître de maison, Baal HaBayit, que Jésus cite à l'occasion dans une de ses paraboles, maître de maison. Pourquoi? Parce que ça, c'est pas une maison, même en pierre. C'est un enclos qui ne différencie pas l'intérieur de l'extérieur réellement. Pourquoi? Alors c'est un peu de topologie toute simple. Vous prenez un point n'importe où, un point n'importe où, et bien vous pouvez passer librement d'un sens et dans l'autre. Donc, vous êtes dans le même espace, topologiquement. Et puis, si tout est ouvert, ben, vous pouvez aller là aussi, là, là, voilà. Donc, il n'y a rien. Il faut un maître de maison qui dise, attention, ici, il y a une porte. Alors, on va la représenter comme ça. C'est ici, on a oui, tu peux entrer, oui, tu peux sortir. Mais... Là, on a non, tu ne peux pas entrer, non, tu ne peux pas sortir. Ah bon? Et j'ai plus deux, j'ai quatre. Comme c'est bizarre. Et la structure du temple est quaternaire. Et elle va se représenter en elle-même pour montrer le quaternaire. Donc je suis obligé de changer de place. C'est comprendre ce que c'est qu'une maison, déjà. Alors, pourquoi représenter une maison dans une maison? Ben, c'est qu'il y a une intériorité de l'intériorité. Et ça va très loin, parce que le vocabulaire va le dire. Il y a un saint et un saint des saints. Ah oui, alors il y a une façon littéraire de comprendre. Saint des saints, c'est ce qu'il y a de plus saint. C'est du saint superlatif. Ah bon, vous connaissez du saint superlatif, vous? Quand c'est vrai, eh ben, il y a plus que vrai. Ah bon? Non, mais on est où? Il n'y a pas de superlatif du saint. Vous êtes dans la sainteté, point. La sainteté, c'est la participation à la vie divine, hein, point. Vous avez sur-participation à la vie divine? C'est stupide. Donc le saint des saints, c'est pas un superlatif, comme le cantique des cantiques. C'est pas le meilleur des cantiques, c'est autre chose. Comme le grand prêtre, c'est pas le super prêtre,
C'est absolument stupide. Le chef des prêtres, c'est pas le chef des prêtres. Les chefs des prêtres, c'est des prêtres. Il y en a dans tous les chefs-lieux du coin. Nos futurs évêques, quoi. Et ils se prennent pour le grand prêtre ? Ne croyez pas que je déraille. L'enjeu est là. Le grand prêtre, c'est totalement différent du prêtre. Ou alors le temple n'a pas de sens, et alors c'est pas le corps du Christ. J'explique un peu plus, mais je stimule l'attention. Parce que expliquer purement et simplement, en 5 minutes, vous avez tout compris. Hein. Sauf que c'est inassimilable. Donc j'essaye de faire assimiler. Je fais la nounou en ce moment. Pas le professeur. Donc je me redessine de nouveau. Vous avez le droit d'en faire autant. L'enclos, la porte du temple. Alors il y a ces colonnades, il y a tout le truc, bon, etc. Bon. Il y a d'autres portes. Mais je regarde la structure, parce que c'est la structure qui enseigne. Et là, je vois que c'est différencié encore autrement. Justement, puisqu'il y a du 4, on va le représenter. Ah ben oui, bien sûr. Ici, il y a un mur, avec une porte, toujours, il y a toujours des portes. Ici, il y a la porte de Nicanor, bon. Et ici, il y a quelque chose de très spécial qui s'appelle l'autel. Tiens. Je le mets dans l'architecture. Pourquoi ? Parce que c'est le centre dynamique du système. Sans lui, il n'y a rien. Alors, à un autre niveau, pas au niveau architectural, mais au niveau de la dynamique. Parce que quand vous avez une structure quaternaire, qu'est-ce qui fait marcher le système ? C'est abstrait. Là, ça va faire marcher le système. Comme le sacrifice du Christ fait marcher toute l'Église. S'il n'y a pas ça, il n'y a rien. Et alors là, il y a une autre, alors là c'est un voile, c'est délicat parce qu'il y a des gens civilisés, il n'y a pas besoin de mettre de mur, bon. Hein? Et puis il y a un autre hôtel, etc. Mais la structure est en place, et on va les nommer. Vous avez... Ici c'est le parvis des femmes. Alors, pas d'interprétation abusive, immédiate et affective. Comment on est... Parce qu'après, ils n'ont pas le droit d'aller plus loin. Bon. Alors là, excusez-moi, mesdames, vous mettez un quart d'heure le féminisme de côté pour comprendre, pour être intelligente. Et après, si vous comprenez, vous direz, qu'est-ce que c'est beau ? C'est pas la même chose. Parce que la mise à l'écart des femmes, machin chose. Enfin, actuellement, on est pourri avec ça. Hein. On peut plus dire un mot. Mais je vais les dire quand même. Alors, ici, il y a le parvis des hommes. C'est plus étroit entre nous. Hein. Ici, il y a une limite invisible, sauf que si tu franchis, puni de mort. Mais c'est sérieux, quoi. C'est même la Kaaba. Vous n'êtes pas musulman, vous allez toucher un peu. Vous êtes sûr de ne pas en revenir. Hein. Parce qu'ils savent encore ce que c'est que le sacré. C'est peut-être la seule chose qu'ils savent, inconsciemment, mais au moins ils savent. Ce qui est sacré, sacré, et on ne peut pas désacraliser des choses comme ça. Nous, un cœur, en principe, personne ne doit y pénétrer, sauf les consacrés, parce que c'est sacré. Maintenant, n'importe qui de petite fille vient se balader dans les cœurs, machin, prend les... Enfin bon, je ne décris pas le désastre. C'est un désastre au niveau de la signification. Au niveau de la cour de récréation, ça va très bien. On prend les vases, on les met là, tu vois, c'est... Sacré, pas sacré, homme, femme, on s'en fout, il n'y a plus rien. Le désastre est absolu. Et la plupart des gens ne s'en rendent pas compte. Anesthésiés jusqu'à l'os, prêts au caveau éternel. Parvis des femmes, parvis des hommes. Ici, qui c'est qui pénètre ? Les prêtres. Ici, qui pénètre ? Le grand prêtre. Je lui mets son article, et c'est majuscule. Pourquoi ? Parce que la géographie même du texte, la topologie, si on veut, et en plus la liturgie, montre qu'il faut distinguer 4 choses. Les femmes, les hommes, les prêtres, le grand prêtre. Ah bon ? Et il s'agit du corps du Christ.
Il s'agit de la nature humaine. Donc, je dis que tout ça représente la nature humaine. Anthropologie fondamentale. Que si on ne la connaît pas, on n'est pas des hommes. Alors avant, encore un truc un peu désagréable, mais quand on comprend, ça ne l'est plus. Nos chers grands-pères, ou arrière-arrière-grands-pères judaïques, hébraïques plutôt, avaient un respect total du temple. C'était le centre de toute la religion. Alors détruire le temple, vous ne pouvez pas dire une énormité plus grande. Ce n'est pas possible. Hein? C'est pas possible. Plus énorme, c'est... Je ne connais pas. Détruisez le temple. Détruisez Dieu pendant que vous y êtes, c'est ça. Il faut se rendre compte un peu. Puis, le corps du Christ, ben, c'est la même chose. Bon. On ne peut... Qui peut entrer dans le temple? Ici, là. Il y a les bêtes qui rentrent, mais par une porte latérale pour être égorgées ici. Hein. Bon. Puis, je ne rentre pas dans les détails, qui vaudraient la peine, mais il nous faudrait 3 semaines. Qui peut rentrer ici? Les circoncis. Mais les femmes sont circoncises. Comment? Mais en leur père, en leur frère, en leur mari, en leur fils. Parce que vous imaginez une femme qui existe en soi, la femme. Une femme, ça existe tout seul? Vous me direz, un homme? Ben oui, la même chose. Mais justement, là, le problème, c'est la femme. Une femme, elle est la fille de quelqu'un, quand même. Et malgré tout, et jusqu'à présent, il y a eu besoin d'un papa. Et puis, elle n'existe pas toute seule, parce qu'elle est forcément dans une famille. Et donc, elle est mariée. In illo tempore. Elle fait partie du peuple circoncis. Le signe est mis sur l'homme. Mais il est valable pour tout le peuple. La circoncision regarde le peuple. Et le signe en est donné sur l'homme. Alors on verra que pour le baptême, il y a une variation. Parce que le signe, est-ce que c'est vraiment un signe? Parce que vous avez été plongé dans l'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, où est le signe? Parce qu'à peine séché, j'ai été baptisé, hein, je vous rassure. Hein, mais je ne peux pas le montrer. Il n'y a plus de signe. C'est le geste qui est signifiant. C'est un autre chose. Je ne veux pas m'embarquer là-dedans, mais vous voyez que c'est un autre avenue à parcourir pour bien comprendre que le baptême, c'est l'accomplissement parfait de la circoncision. On dit la circoncision n'explique plus. On a aboli les sacrements de l'ancienne alliance, d'une certaine façon, c'est saint Thomas qui le dit, hein, parce qu'il parle de sacrements de l'ancienne alliance. Et puis on a établi les sacrements de la nouvelle alliance, parce qu'il y a quand même une différence. Hein. Oui, mais ils sont en lien. Et là-dessus, n'entre dans le temple que les circoncis, parce que la circoncision est la marque de l'alliance avec Dieu. Donc le temple, qui représente la nature humaine, n'est ouverte qu'à des hommes, alors au sens large, hommes et femmes, qui sont en alliance avec Dieu. C'est le peuple de l'alliance. Sinon, ne peuvent pas pénétrer dans le temple. Parce que, quand on n'est pas allié avec Dieu, on n'est pas un homme. Et alors, quand on est un peu rude, on dit « dehors les chiens, les idolâtres, les sorciers ». Et où on voit ça, « dehors les chiens » Dans l'Apocalypse, dans le dernier chapitre, chapitre 22. Faut pas jouer. Et après, « amen ». « Dehors les chiens, les sorciers ». Parce que d'un bout à l'autre, c'est comme ça. Qui sont les chiens? Les hommes qui ne reconnaissent pas une alliance avec la divinité. Ce n'est pas une insulte. C'est faire prendre conscience qu'en dehors de l'alliance avec Dieu, il n'y a pas d'homme. Il y a des gens qui vont se conduire comme des animaux.
La preuve, c'est pas à peine de faire de dessin, il suffit de regarder les nouvelles et connaître l'histoire. L'histoire est utile, c'est l'histoire des chiens, en gros. Hein? Mais à l'intérieur desquels naît peu à peu ou renaît une humanité. Et toute la révélation, depuis Moïse jusqu'à Jésus, est faite pour faire renaître l'homme à sa propre humanité, en dehors de laquelle il n'y a rien. Il y a des bêtes qui s'entredéchirent, qui font des mamours de temps en temps, mais même les tigres font l'amour, enfin. Les tigres, c'est dur quand même, hein. C'est beau de loin. Hein? Alors les mamours, alors là, on n'entre pas avec les mamours. On rentre avec l'intelligence, la volonté et l'amour. C'est tout à fait autre chose que les affects, bisous, bisous et tout. Maintenant, les églises sont pleines de bisous. Les gens sont devenus plus fraternels. On donne les signes avant la réalité maintenant, c'est bien. Enfin bon. Alors, j'ai mes quatre catégories. J'ai des alors ici, alors on va abstraire un peu, parce que pour comprendre, il y a la représentation, il y a le vocabulaire liturgique, et on va essayer d'avoir un modèle intelligible. Et alors à ce moment-là, ici, on a dans la nature humaine, qu'est-ce que les femmes représentent? Parce que d'accord, elles sont tout, mais enfin bon. Féminin, le féminin. Il y a quelque chose de féminin dans la nature humaine. Il y a quelque chose de masculin. Quand on est aristotélicien, on y met un peu de raison, d'accord, même les femmes. Donc c'est des animaux raisonnables. Voilà la plus grande erreur qu'on puisse dire. La plus grande erreur qu'on puisse dire. Je le dis trois fois parce que dans la Bible, on dit trois fois. Parce qu'il faut que ça rentre. On a simplement, alors, on a quelques neurones qui marchent mieux que ceux des dauphins. Bravo. Non, mais plus stupide que ça, tu meurs. Et les araignées, alors, avec deux ou trois filets minuscules dans le cerveau, elles se font des toiles qui obéissent au logarithme. Oh, elles sont mathématiciennes. Et les canards aussi, parce que quand ils font plouf dans l'eau, ça fait des ronds. Non mais c'est vrai, vous avez raison, il faut rire de tout ça, c'est dramatiquement stupide. Alors, mais alors là, la grande révélation, mais on va m'arrêter, on va me couper la gorge. La grande révélation auquel on n'est pas habitué et qu'on a oublié, c'est que dans la nature humaine, il y aurait donc du sacerdotal et du grand sacerdotal. Et ce n'est pas la même chose. Il y a autant de différence entre le grand prêtre et le prêtre qu'entre un homme et une femme. Alors, d'accord, on veut effacer la différence. Entre prêtre et grand prêtre, c'est fait. Dans l'esprit même des théologiens, il n'y a pas de différence. Mais c'est une erreur de fond. Il faut un nouveau concile pour condamner cette hérésie. Parce qu'à chaque fois qu'on fait une erreur, il y a un concile qui remet les choses en ordre. Hein? Et c'est capital. Donc, il y a quatre catégories dans la nature humaine. Alors, il nous reste à comprendre qu'est-ce que c'est que le féminin, qu'est-ce que c'est que le masculin, qu'est-ce que c'est que le sacerdotal, qu'est-ce que c'est que le grand sacerdotal. Alors, c'est tout un programme. Bon, le modèle est là. Vous comprenez bien qu'il faut quelques paroles de plus. C'est les deux points. Mais j'ai quand même argumenté pour en arriver là. Donc c'est enregistré, vous avez le droit de réécouter. Parce que je donne une démonstration, moins les coups de rire, mais une démonstration rigoureuse de ce dont il s'agit. Et donc si on veut faire une anthropologie vraie, qui sera entre autres chrétienne, on comprendra du même acte d'intelligence ce qu'est le temple, ce qu'est le corps du Christ, puisqu'il a dit que c'était analogue. Il n'a pas dit que c'était identique. Détruisez ce temple, en trois jours je le reconstruirai, mais il parlait de son corps. Ben, il parlait, en parlant du temple, il parlait de son corps. Donc il y a une analogie fondatrice
entre le temple et le corps. Il faut retrouver la science du temple pour avoir la science du corps. Et en même temps, un seul acte de foi. J'arrête puisque... Marc, on coupe la gorge ici. Et alors, j'ai encore un mot quand même. Pour que vous ne soyez pas tout à fait désemparés, quelle est la différence entre un prêtre et le grand prêtre? C'est très simple, il suffit de lire la liturgie. Parce que toute la liturgie est orientée à nous apprendre des choses, sauf quand elle est mal faite. Le prêtre fait des sacrifices sur l'autel parce que monsieur un tel ou madame un tel doivent se purifier parce qu'ils ont eu un enfant. Ils sont trop pauvres, alors c'est pas une brebis, c'est des colombes. Bon, on m'a mis chez les colombes, c'est bien, hein? Bon, j'ai vu un signe. Bon, sacrifice pour la purification, pour le pardon des péchés, pour l'action de grâce, pour. C'est les prêtres qui les font. Le grand prêtre, qu'est-ce qu'il fait? À Yom Kippour, il fait un sacrifice, il va rentrer dans le Saint des Saints, alors avec tout un cinéma invraisemblable, mais qui a du sens, mais le sacrifice qu'il fait, c'est pour le peuple. Donc vous avez le rapport de un à tous. Dans le sacerdotal, qui regarde les individus, puis c'est vrai qu'on est aussi des individus, mais on n'en a que trop conscience, parce qu'en fait on est en relation avec tous, on fait partie d'un peuple, il n'y a pas d'homme qui ne fasse pas partie d'un peuple. Nous on fait partie du peuple chrétien, et donc ça met une sourdine sur les autres appartenances, en principe. Mais peut-être les chrétiens ont perdu l'idée qu'ils font partie d'un peuple, le peuple de Dieu, le vrai, l'unique, auquel tout le monde est appelé, mais la porte est étroite. Alors, ça c'est très important. Donc les prêtres vont servir chacun en tant qu'homme, en tant qu'être humain. Le grand prêtre sert le corps tout entier. Autrement dit, si Jésus est le vrai grand prêtre, comme dit toute l'épître aux Hébreux, il est pour tout le peuple. Et la distribution des sacrements, il la confie à ses prêtres. Ce ne sont pas des grands prêtres, c'est des prêtres. Alors vous avez la confession, la messe, le machin, le truc. Merci messieurs les curés, merci mes pères. C'est très différent. C'est pas un sacerdoce supérieur, c'est un autre sacerdoce. Selon l'ordre de Melchisédek, etc. Bon, je n'entre pas là-dedans, parce que je vais déborder le temps. Mais donc il y a grande différence entre le prêtre et le grand prêtre. Mais le grand mystère que je n'ai pas abordé, c'est comment se fait-il que le sacerdotal et le grand sacerdotal, qui sont pris pour des fonctions, il y en a même un qui a écrit « Fonctionnaire de Dieu », Dreverman, un compendium d'hérésie, bon, mais moderne. Le sacerdoce appartient à la nature humaine. Donc tout être humain est participant du sacerdoce. Mais comme il faut figurer les choses, on va en prendre, ça, c'est encore un autre problème, on va prendre un bonhomme et on va l'habiller autrement, on va lui mettre des ornements, on va lui mettre des consécrations, on va lui mettre un tas de trucs pour qu'il puisse figurer quelque chose qui est totalement invisible. Le féminin, le masculin, l'avantage c'est qu'on voit. Il suffit de se déshabiller, hein, ça se voit. Le sacerdotal et le grand sacerdotal, ça ne se voit pas. Et c'est pourquoi d'ailleurs, ici, c'est le sanctuaire, le Mikdash. Mais tout est sacré. Donc ici, quand une femme est ici, elle est dans un rôle rituel. Elle représente rituellement, parce qu'elle est physiquement, quelque chose dans la liturgie de la nature humaine. De même les hommes, évidemment. Et le prêtre, ça ne se voit pas. Alors, il se trouve qu'on prend un homme pour le déguiser, pour l'interdire d'être homme d'ailleurs, parce qu'il change de catégorie, ce qui est une chose impossible, sauf par la ritualisation. Donc, pour bien comprendre ces choses-là, il faudrait comprendre ce que c'est que la ritualité de la nature humaine. Ce qui se voit le quatrième jour dans la création. Mais donc, ça fait partie de l'essence humaine avant même que M. Adam soit tout à fait formé. C'est-à-dire, ça le constitue dans l'être. Donc, le rituel n'est pas une chose extérieure
artificielle. C'est quelque chose qui constitue la nature humaine. Mais j'arrête parce que c'est un autre chapitre, une autre grande avenue à parcourir et qui n'est pas une impasse, contrairement à l'anthropologie mondaine. J'arrête là.